reborn. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce monde, que la paix du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire comment les gens font pour faire entrer le diable dans leur vie facilement, sans qu'ils s'en rendent compte. C'est là, je vais vous dire, mes frères et sœurs, n'abordez jamais une fille que vous ne connaissez pas dans la rue. Sinon, vous risquez de tomber sur le diable lui-même. Et vous allez faire entrer le diable dans votre vie comme ça. C'est juste comme ça. C'est juste par ce moyen-là. De ce moyen-là dont j'ai envie de vous parler ici. Parce que la plupart des gens ne le savent pas. Dès qu'eux voient une fille dans la rue, ils font comme à la télévision. Ils l'appellent, ils sifflent la fille. Ils la sifflent. Elle aussi, elle regarde derrière. Oh ma chérie, c'est de toi, il parle, c'est de toi, il parle. Viens, 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 viens. Attends, la fille arrive. Il lui dit, des choses qui n'existent pas. Oh, tu es plus belle que la lune. Le soleil ne brille pas comme toi. Causez. Parlez. Ce sont vos longs discours là qui vont vous créer des problèmes après. Parce que si la fille que vous avez arrêtée là, elle est une sorcière, vous n'imaginez pas de quel problème vous êtes en train d'entrer. Et c'est pas de la plaque. Parce que comment les gens font entrer le diable dans leur vie. Vous voyez ça? Déjà, je vais vous dire un truc par rapport à cette affaire. Je réponds encore, je précise. Je dis, n'abordez jamais une fille que vous ne connaissez pas dans la rue. J'ai une nouvelle fille, une fille que tu ne connais pas, tu as vu juste qu'elle passait, elle est belle forme. Toi, tu l'appelles, parce que t'as dit. Et puis, tu essaies de l'aborder. Ça, là. C'est un grand risque que vous prenez. Si vous avez l'habitude de prendre rien de risque, c'est plus tout va bien. Vous dites merci. Et ça, c'est un grand risque. Mais vous pouvez appeler un démon qui est de passage. Vous pouvez connaître le démon. Si vous allez parler, vous allez dire au démon, ah, démon, tu es joli, t'es. Le démon, là, est dans le corps d'une belle femme. Ah, ma chérie, tu es jolie, oh. Hey, donne-moi tes 06. Tu demandes le 06 du diable. Tu demandes le 06 du diable. Maintenant, ça, j'aimerais vraiment dire, attirer votre attention là-dessus. Je vais vous dire une chose, hein. Écoutez, vous qui aimez courir après les filles d'hier, là, qui aimez aborder les filles n'importe comment d'hier, là, moi je vais vous dire, la plupart des filles ou les femmes sorcières, là, dès que vous les regardez, elles sont au courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles ont un œil derrière ici, là, qui leur permet de voir, regardez, sur la nuque, elles ont un œil sur la nuque, qui leur permet de voir tout ce qui se passe derrière. Et elles ont des démons avec elles. Qui leur permet d'être informé sur tout ce qui se passe autour d'elle, même à des milliers de kilomètres. Oui. C'est-à-dire que dès que tu vois la fille, et que toi tu es tombé sur son corps, tu as apprécié son corps, automatiquement, elle va recevoir un signal comme un message d'alerte. Pim, pim. Elle va dire, il y a quoi? Le démon lui dit, écoute, là derrière, il y a un gars qui est fond de toi, il a été te regarder. Il y a un gars, il a été te mater. Il est derrière, il a été te mater. Est-ce qu'il te plaît ou pas? Même s'il lui plaît ou pas. Les deux ont dit, bon, on regarde la personne. Est-ce que cette personne a une étoile de Dieu? Si cette personne a une étoile de Dieu, que c'est un chrétien. La démarche de la fille a changé en même temps. Parce que les sorciers et les sorcières sont en guerre contre les hommes justes. C'est-à-dire, ce que la crainte de Dieu, le croyant. Vous voyez, non? Donc, elle aura sa manière de marcher. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est que dès que ça arrive, dès que vous regardez la fille là, nette là, soyez informé en même temps que si elle est une sorcière, elle sait que vous la regardez. Elle sait que vous la regardez. Est-ce que vous pouvez dire? Genre, toi, tu marches et puis tu vois une fille, tu vois, elle est jolie.
En même temps, tes yeux sont en train de la regarder. Tu regardes cette fille-là de la tête jusqu'au pied, du pied jusqu'à la tête. Tu la regardes trois fois même. Sache que la première fois où quand tu l'as regardée là, elle était informée que tu as commencé à la regarder parce que les démons lui ont donné l'information. Les démons lui ont tout dit. Donc elle est au courant déjà que toi tu la regardais. Et c'est comme ça pour la plupart des sorciers, des filles sorcières que vous avez trouvées dehors. La plupart des filles sorcières que vous avez trouvées dehors, là, elles ont ce pouvoir. Mais vous ne savez pas qu'elles sont des sorcières. C'est pourquoi je vous dis, n'abordez pas une fille que vous ne connaissez pas dehors. N'arrêtez pas une fille comme ça et puis vous dites demain sur 06. Prenez le temps de prier et de connaître la fille à distance. Parce que si vous vous lancez vers elle, si vous avez pouvoir croire demain pour aller vers elle, pour commencer à causer avec elle, les gens pour lui dire, oh, je t'aime, j'aimerais faire ta connaissance, j'aimerais faire plus ta connaissance, j'aimerais vraiment te connaître. Si ça l'arrange, elle va dire oui. Si vous n'avez rien en vous, elle dit, si vous et toi ne priez pas, vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas d'enjeu, elle va vous jeter tout de suite. Mais si elle regarde bien, et qu'elle voit que vous avez quelque chose en vous, vous allez devenir riche demain ou bien et tout du genre. Elle va se dire que bon, que quand vous avez ouvert cette porte-là, elle va en profiter pour vous attaquer. Donc elle va se laisser séduire. Elle va faire comme si elle vous apprécie aussi. Tu lui dis que tu es belle. Elle dit, oh, toi aussi tu es beau. Tu dis, oh, vraiment, tu as de beaux sourires. Elle dit, oh, toi aussi tu as de belles dents. Tu dis, oh, tu as un joli nez. Elle se dit, oui, oui, toi aussi tu as un joli nez. Si vous constatez ça, hein, sachez que vous êtes en contact avec une sorcière. Ça, c'est leur job. C'est ce qu'elle aime bien faire. Vous l'avez dit ceci. Elle a dit ceci. Souvent, les gens sont au fond des hommes, mais ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas que ce sont les signes des sorciers. Ah! Donc, je ne sais pas quels sont les signes des sorciers, mais tu vas chez femme dire une fille que tu ne connais pas, tu la portes, tu l'arrêtes dire. Danger. Danger, c'est dangereux. Je vais vous dire ce matin que c'est très dangereux de faire ça. Vous soufflez les filles à dire. Oh! Ma chérie, tu es une belle, tu es comme une manque, tu brilles. Hey! Depuis quand l'homme est comme une mangue? Là, tu la vois comme une mangue. Et elle aussi, elle rit. Mais le jour, tu vas là-bas pour la mettre dans ta maison. Hein? C'est le jour-là, tu vas voir ce qu'il y a dedans. Parce qu'elle va jamais te montrer ton vrai visage d'abord. Elle va prendre le temps de suivre la procédure. Parce que les sorcières, elles ont une bonne procédure. Premièrement, si elle constate que vous l'aimez, elle va chercher à gagner de plus en plus votre cœur. Et une fois qu'elle a eu votre cœur, elle va prendre une flèche pour mettre ça dedans. Boum, boum, jusqu'à ce que vous disparaissez de la terre ici. Ça, c'est leur job, c'est leur finalité. La mort. La mort tue les gens. C'est pourquoi le diable est le diable. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Il y a quelques années, j'ai marché avec un grand frère. J'ai marché à lui jusqu'à un grand moment. Il rencontre une femme. La femme là sourit avec lui. La femme le salue avec joie. C'est la joie. Et moi, je ne m'intéressais même pas à ça. Et le moment où on a quitté l'endroit, on a continué à marcher. Dès qu'on a fait juste 5 à 10 pas. Hein. Il m'a dit, écoute, tu vois la femme là. Tu vois la femme que vous voulez saluer là. Tu vois, elle est belle, non? Elle est jolie, non? J'ai dit oui. Elle est joviale, non? J'ai dit oui. Elle a petite sotte, non? J'ai dit oui. Oui, bon, oui, c'est bon. Il a dit quoi? Il dit, de la manière, oui, tu vois là. Si tu l'emmènes à la maison là. Tu as oublié son sourire. Tu as dit, mais est-ce qu'il s'agit de la même personne? Est-ce que c'est différentes personnes? Si vous avez fait ce constat chez vous, sachez que vous étiez en présence d'une sorcière.
Les sorcières là. Elles disent ceci aujourd'hui, demain elles disent cela. Elles sont bien aujourd'hui, demain elles sont mauvaises. Elles changent de comportement. Elles sont comme caméléon. Elles sont pas stables dans leur tête. C'est comme si quelqu'un leur parlait dans leur sommeil et puis qu'elles se réveillent le matin, quatre au coin. Aujourd'hui, elle vous appelle chérie, demain elle vous appelle son ennemi. Voici les femmes sorcières. Et quand vous épousez de telles sorcières et que vous les faites entrer dans votre vie, vraiment, elles vont chercher à fouiller dans votre vie jusqu'au fin fond. Et elles ne vont pas vous chercher à fouiller dans votre vie parce qu'elles cherchent à vous aider. Non. Elles vont chercher à fouiller dans votre vie pour savoir comment faire pour vous renverser, pour vous détruire. Détruire tout. En commençant par vos finances. Sont-elles tout le temps, elles ont besoin d'argent. Tout le temps, elles ont problème ici. Tout le temps, elles ont problème là. Ah, chérie, j'ai besoin de telle chose. Ah, chérie, il y a comme ça. Eh, chérie, il y a tel parent qui est mort. Ah, chérie, il y a tel parent qui vient de tomber ou qui vient de faire accident. Ah, chérie. Toujours, c'est vous, la leçon. La leçon. Si vous rencontrez une fille, hein, et puis depuis que vous l'avez rencontrée, la leçon, ça ne rentre pas là. Dites à la fille, je suis fatigué. Fâche-toi. Parce que les sorcières, là, c'est ce qu'elles font. Épuiser les gens financièrement. Quand vous n'aurez plus rien là, elle va venir vous dire que toi, tu ne m'as jamais donné 5 francs. T'as le temps de dire? Tu dis quoi? C'est toi qui parles? Est-ce que c'est une jumelle par hasard? Elle n'a pas une jumelle, c'est elle qui parle, c'est son vrai visage qui est là, la même. Tu n'es pas au courant. Oui, il te dit. Je t'avais dit en même temps. Avant de dire bonjour même à quelqu'un là même là. Vraiment, tester la personne à distance, tester la personne en esprit. Parce que je ne sais pas qui est qui. Oui, sort tout le temps, je vois des sorciers pas possibles. Je vois des sorcières, des personnes vraiment sorcières. Moi, mais je vois des filles, elles sont belles. C'est comme je marchais, j'ai vu une fille là. La fille elle était jolie, oh. Avant que j'ai fini de parler, elle m'a attaqué en même temps. Elle m'a lancé une flèche de la sorcellerie. Et, hein? Heureusement que je vois vos fesses venir. Hein? Selon celui qui ne sait pas que vous êtes en train de les attaquer comme ça. Là. Ceux qui ne savent pas que vous êtes en train de les attaquer comme ça. Là. Ils vont vous voir jolie sans savoir que vous êtes en train de les attaquer. C'est-à-dire, quand je l'ai vue là, elle m'a plu. Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle ressemble à Dieu, non? Mais en même temps, son cœur appartient au diable. Et elle m'a lancé une flèche pour me confirmer cela. J'ai dit, hein, la plupart des jolies filles dehors, là, elles appartiennent au diable. La plupart. Je ne dis pas toutes les filles. J'ai dit même toutes les filles. Je m'en fous. Parce que souvent, quand vous dites aux gens, je ne dis pas toutes les filles, hein, je ne dis pas toutes les filles, hein, les gens pensent que la fille qu'ils ont rencontrée, là, c'est une bonne fille, ou bien elle peut être une bonne fille. Ça, c'est ce que amène les gens à être négligents. Donc, ils ne trient pas. Ils mettent tout le monde dans le bateau. Tout le monde. Tout le monde dans le bateau. Ouais. Ouais. Celle qui n'est pas dans le bateau, là, que son comportement confirme cela, que son esprit confirme cela, c'est pas wawa. C'est pas on dit. Maintenant, on s'est respecté ici. On s'est respecté ici. Les sorciers qui sont dans le pays. Là, on cherche à évoluer. Vous voulez nous mettre derrière. Vous voulez nous mettre derrière. Vous parlez derrière. Et les gens souffrent ici. Les gens souffrent. Elle a tout fait pour guérir ton cœur. Tu as dit l'homme le plus amoureux de la planète. Elle dit, oh, celle-là, la poignée, sérieux, sérieux à elle. Au moins, tu dis, tu es sérieux à elle. Elle te met un couteau dans le dos là-bas. Boum, elle te trompe. Yeah! Moi, je dis, elle est sérieux, toi, tu me trompes. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie, il y a quoi? C'est bien fait pour ta tête. L'amour. Si c'était là, faut être amoureux que de Dieu. La femme là, donne-lui ce qu'elle doit avoir. Ben, le reste, agace ça pour Dieu. Sinon, si tu te donnes, tu te livres toi à une femme, elle va te montrer pourquoi Ève a trahi Adam. Jamais, faut jamais se confier totalement à un homme. À plus forte raison, une femme. Surtout qu'il y a les femmes sorcières. Et dans la sorcellerie, il y a beaucoup de femmes. Ça, on ne vous le dit pas. On ne vous le dit pas. Mais moi, de ce combat que je mène contre les sorciers, contre le royaume des ténèbres, j'ai été plus attaqué par les femmes que les hommes. Je vous assure. J'ai été plus attaqué par les femmes que les hommes. C'est dommage.
J'ai dit c'est dommage parce que elles sont toutes belles. Elles sont belles. Très belles. Mais. Il y a toujours un mec quelque part. La beauté se limite à juste la déo. Mais à l'intérieur, j'ai dit dans leur cœur. Ça ne vaut pas la peine. Je vous assure, ça ne vaut même pas du tout la peine. Ça n'en vaut pas la peine. Elles sont belles, mais elles ont un vilain caractère. Elles sont belles, mais elles ont un comportement qui change. Elles ne sont pas stables. Parce qu'elles sont manipulées par les esprits mauvais qui leur permettent d'avoir un tel ou tel comportement. Ne faites jamais entrer une telle personne dans votre vie. Prenez le temps de vérifier son état d'âme à distance. Je dis bien à distance. Tu puis, tu dis, Seigneur, voici une fille à rencontrer, elle est jolie, elle est tout. Mais il veut savoir qui est en elle. Est-ce que c'est toi qui as assis en elle ou bien c'est le diable? Si c'est le diable, mets cette attire toujours. Même si tu as déjà un sentiment pour elle, ne va pas plus loin. Arrête le discours ici. Arrête le discours là. Parce que si tu fais l'erreur d'aller plus loin, tous les problèmes que tu as trouvés là-bas, c'est toi qui l'auras cherché. C'est toi qui l'auras cherché. Parce qu'une sorcière n'est pas là pour blaguer. Elle me lance des flèches, elle ne colle pas. Les sorcières sont plus mauvaises que les hommes sorciers. N'hésite pas que je ne t'ai pas dit. Donc, retenez ça. La beauté, jamais une fille ou une femme d'ailleurs que vous ne connaissez pas. Si vous l'avez rencontrée, et que vous voulez vraiment savoir qui elle est, vous pouvez mener vos investigations à distance. Maintenant, rien n'est caché. Tout le monde a sa pièce d'identité. Mais vos investigations, faites des recherches. Déjà, vous-même là, quand vous rencontrez une fille, qu'est-ce que vous le posez comme question? En général, qu'est-ce que vous lui dites? Vous dites, ah ma chérie, t'es jolie, est-ce que tu as un copain dans ta vie? Et qu'est-ce que vous dites en général? Non, je suis célibataire. Non, je n'ai personne. Mais quand vous allez fouiller au fond là, qu'est-ce que vous trouvez? Vous trouvez 10 gars. 20 gars. Il y a certains même qui ont mis en stand-by. Vous voyez, là, la crise est basique. Vous dites, mais ah, les filles, je ne vous ai pas sourire, ça. Attends, là, j'ai déjà vu un gars. Tchè, tu vois où est ça? Voici les réalités de la vie que vous découvrez, non? Mais ce qu'il vous parle, là, ça va plus, ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Si vous parle en esprit, on ne pousse pas une fille parce qu'elle est belle. Seulement. Mais on le pousse une fille parce qu'elle a un bon esprit. Parce qu'elle a un bon esprit. C'est l'esprit là qui est le moteur de la voiture. Si le moteur n'est pas là, la voiture ne te colle pas. Si la voiture est belle ou dehors, puis elle a un mauvais moteur. Même tes voisins vont te dire, mon ami, ta voiture fait trop de bruit, y'a quoi? Y'a quoi? Comme hier, ils se sont dit, ouais, une voiture qui fait du bruit, comme c'est pas possible, dit, hey! Moi, mais il marche là, mais je vais mieux que toi, Dieu. Moi, il marche avec des bruits. Mais toi, il reste. Tu as réveillé tout le quartier, même le mort. C'est la réalité. On rit, mais quand le sorcier vous attaque, elle ne rigole pas. Faites vraiment très attention à vous. Ok, c'est sur la première vidéo. Je suis acheté de la nourriture. Hier, j'ai mangé une nourriture bizarre. Hein. Ça m'a affaibli d'une manière. Tiens! Je vais acheter une nourriture qui a faibli, c'est la faute des champs. Hein. C'est que j'ai une nourriture, tu mets et puis tu as la diarrhée, il y a quoi? J'ai une nourriture, si vous connaissez ça, ne mangez plus encore. Hein. Je pense que je vais vous parler de ça encore dans la prochaine vidéo. Écrivez un commentaire, posez-moi vos questions, je vais tenter de vous répondre. En tout cas, je dis à Seigneur que Dieu nous aide à trouver une bonne femme. On dit qu'il faut la trouver, ça veut dire qu'elle n'est pas facile à trouver. Cherchez, vous allez la trouver. Mais ça sera difficile. Hein. Mais rien n'était possible à Dieu. Priez, mettez sans prière. Waouh, c'était extraordinaire. Merci les frères et sœurs d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez soutenir ce bon bâtiment bancaire, la description se trouve un lien. Vous pouvez cliquer là-dessus et télécharger une note où se trouvent toutes les informations bancaires. Que Dieu bénisse les frères et sœurs. Prenez soin de vous. Et soyez propres au Seigneur. C'est parti.